Revolution. Salut à tous et merci de me rejoindre sur ma chaîne donc Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reparler de nouvelles applications sur le Google Home, ce fameux Google qui n'en arrête plus avec ses nouvelles applications. On a vraiment pas mal de nouveautés et c'est tout aussi bien car ça nous donne des nouvelles possibilités pour faire différentes choses. Merci de vous abonner donc à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, car plusieurs vidéos sur le Google Home ont été faites et il va y en avoir encore puisque je fais par étapes ces différentes vidéos pour éviter justement qu'il y a trop de renseignements donnés. J'essaye plutôt que vous ayez petit à petit 3-4 applications par vidéo pour que vous puissiez les reprendre si besoin. Voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, certaines applications que je vais dicter, il va falloir donc un compte. Ici, je n'ai pas mis de compte parce que je n'en ai pas, mais je vous les citerai pour que vous puissiez quand même savoir qu'elles existent. Allez, donc c'est parti pour la suite de cette vidéo. On va tout simplement lui demander. Alors, pour éviter aussi de perturber les différents appareils que vous avez à la maison, je vais éviter de dire le mot-clé, je vais le couper en fait. Lorsque vous entendrez le Google Home parler, cela voudra dire que j'aurai lancé le mot-clé. Mais pour éviter que vous soyez dérangé avec vos appareils, je vais couper à chaque fois le mot-clé, ce qui évitera que ça soit la cacophonie partout entre la vidéo et vos appareils. Allez, on part tout de suite sur cette démo. On va tout simplement lui demander à ce Google parler à Cdiscount. Il semble que votre compte Cdiscount ne soit pas encore connecté. Vous pouvez associer Cdiscount à votre compte Google à partir de l'application Google Home. Comme vous avez pu entendre, on peut donc lier son compte Cdiscount à son Google Home sans problème. On va passer donc à l'application parler à Boulanger. Ok, je vous mets en contact avec Boulanger. Bonjour et bienvenue chez Boulanger. Afin de vous accompagner au mieux, je dois juste obtenir votre nom et votre adresse postale depuis votre compte Google. Êtes-vous d'accord? Oui. Je vous remercie. Je peux demander à un de nos conseillers de vous appeler ou encore vous renseigner sur les horaires d'ouverture du magasin le plus proche. Que puis-je faire pour vous? Votre demande concerne un conseil pour un achat ou bien le service après-vente. Un conseil pour un achat. Très bien, pouvez-vous me communiquer votre numéro de téléphone s'il vous plaît? 06 77. Merci, je communique le 06 77 à nos conseillers. Est-ce bien cela? Oui. Quel est votre code postal s'il vous plaît? Votre code postal est 4. Est-ce bien cela? Oui. Nos conseillers sont disponibles de 8h à 22h et 7 jours sur 7. À quelle date et heure souhaitez-vous être contacté? Aujourd'hui, 17h. D'accord. Le meilleur moment pour vous joindre serait aujourd'hui à 17h. Est-ce correct? Oui. Afin de gérer votre prise de contact pour aujourd'hui à 17h, puis-je vous envoyer un SMS au 06 77? Oui. Je peux vous aider à trouver le magasin le plus proche de chez vous ou bien à prévoir un rendez-vous avec notre service après-vente. Que souhaitez-vous faire? Merci. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt chez Boulanger. On va continuer par une petite application. Si vous êtes donc amoureux des citations, on va pouvoir aller chercher tout cela en lui demandant parler avec calendrier des citations. Ok, je vous mets en contact avec calendrier des citations. Bienvenue sur l'application calendrier des citations. Les citations proposées sont liées au jour du calendrier de l'année courante. L'utilisateur doit par exemple formuler sa demande comme ceci. Quelle est la citation du 18 juillet? Ou demander une citation aléatoire. Quelle est la citation du 27 novembre? La citation du mardi 27 novembre, 331e jour de l'année et Saint-Séverin est la suivante. Ne suivez jamais les traces du malheur, il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Citation japonaise. L'utilisateur peut maintenant formuler sa demande comme ceci, répéter, terminer ou demander une citation aléatoire, voire encore exprimer une nouvelle demande de citation. Citation aléatoire.
La citation du lundi 5 septembre, 248e jour de l'année et Sainte Raïssa est la suivante. Lâchez prise. Apprenez à suivre le flot des changements qui surviennent. Devenez plus flexible et détendez-vous. Citation de Batenepola. Voilà donc au niveau du calendrier des citations, je trouve ça vraiment sympathique et je voulais donc vous faire partager toutes ces nouvelles applications qui sont vraiment très sympas, qui apparaissent au fur et à mesure dans notre Google Home. Et c'est pour ça que je veux vous les faire partager, que l'on puisse échanger ensemble. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. On va continuer dans une nouvelle application. Parler à Sephora. Ok, je vous mets en contact avec Sephora. Bonjour, que fait-on aujourd'hui? Vous voulez prendre rendez-vous chez Sephora? Tester votre culture beauté? Ou écouter le podcast d'un influenceur? Écouter le podcast d'un influenceur. Je suis en train de vous préparer plein de surprises pour ce début d'année. Mais vous voulez réécouter le podcast avec Salima? Ou bien me dire comment je pourrais réaliser vos vœux en 2018? Écoutez le podcast de Salima. Et voici 2 minutes de podcast beauté. Sephora. Bonjour à toutes et à tous. On passe la semaine avec Salima de Salima Le Vauvien, beauty influenceuse que vous pouvez suivre sur YouTube et Instagram. Bonjour Salima. Salut Jessica, comment ça va? Très bien et toi? Ça va super, merci. Testez. Ok, c'est parti pour découvrir quel beauty addict vous êtes en 5 questions. Première question, pour avoir des yeux de biche, on utilise un pied de biche ou de l'eyeliner? L'eyeliner. Oui, elle était facile celle-là. On s'échauffe. C'est clair. Dernière question, la palette de fard à paupières Sweet Peach de chez Too Faced est délicatement parfumée à l'essence de rose ou de pêche? De pêche. Excellente réponse, 18 teintes pour avoir un teint de pêche. J'aime, je like et je follow. Est-ce que vous voulez les résultats du quiz? Oui. Sans appel et le verdict, vous êtes une véritable beauty addict. Pas le genre de femme à mettre le vernis sur le top coat. Et maintenant, souhaitez-vous faire autre chose? Quitter. Ok, à bientôt. Alors comme vous avez pu entendre, je suis un pro de Sephora apparemment, je ne le savais pas. Et d'ailleurs maintenant, on va parler avec cette nouvelle application qui va nous aider à faire parler à Buzo. Bien sûr, voici Buzo. Hello, c'est bon de te revoir. Quelle langue souhaites-tu apprendre aujourd'hui, espagnol ou anglais? Anglais. Voici ton cours d'anglais avec Buzo. Phone signifie téléphone. Wallet signifie portefeuille. Wallet. Cela signifie téléphone, est-ce que c'est vrai? Faux. Super. Keys signifie clé. Bag signifie sac. Que veut dire bag? Sac. Parfait. Glasses signifie les lunettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Keys. Clé. C'est une bonne réponse. Tu as terminé la leçon 5. Est-ce que tu veux passer à la leçon suivante ou bien recommencer celle-ci? Quitter. Au revoir. Comme vous pouvez entendre, on peut suivre des cours de langue. Actuellement, l'anglais et l'espagnol, mais d'autres langues vont arriver. Espagnol. Voici ton cours d'espagnol avec Buzo. ¿Qué le pongo? Signifie qu'est-ce que je vous sers? Me pone? Signifie je voudrais. Me pone? Tu peux utiliser cette phrase pour commander dans un bar, est-ce que c'est vrai? Voilà donc pour ce petit cours d'espagnol qui, là aussi, vous allez pas mal aimer, je pense, pour ceux qui ont envie de s'entraîner sur différentes langues comme l'anglais et l'espagnol. Alors attention, parlez à Buzo. S'écrit donc B-U-S-U-U. Pour la petite dernière, on va lui demander donc de parler avec... On est plus de 4100 et vraiment, merci beaucoup à vous de regarder donc mes vidéos. On va donc continuer avec... Ok Google. Parler à nombre mystère.
Très bien, je vous mets en relation avec Nombre Mystère. Bienvenue, je pense à un nombre entre 0 et 100. Quel est votre premier essai? 45. C'est plus grand que 45. Essayez encore. 60. Essayez encore. Quel est votre prochain nombre? 94. Vous brûlez, mais c'est plus grand. 97. Félicitations, c'est ça. Je pensais au nombre 97. Vous voulez jouer encore? Non. À bientôt. Voilà donc pour cette petite vidéo avec ces nouvelles applications Google Home qui s'améliorent, qui nous donnent de plus en plus de possibilités, qui nous fait de plus en plus plaisir. Je vous remercie d'ailleurs de regarder ces vidéos, de les liker, de les partager et de vous abonner à la chaîne. C'est important. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Ciao l'amigo, à bientôt. Et je vous dis comme le Google Home, et à bientôt. Salut !